Oui, voilà, de retour. Si tout à l'heure je t'ai entendu appeler, là j'étais occupé là, de mon côté. Là. Et là je me suis dit, bon, deuxième appel, ce coup-ci il faut que je réponde quand même. Ok, ça marche. Mais moi je suis du côté de Castillon et je recherchais des gens un peu pour discuter parce qu'hier je suis passé sur une page de forum, mais du coup je discutais avec un monsieur qui m'a dit justement sur les ondes de. Bah, moi je suis pas des millions. Ok, d'accord, ben, les 213-51 de Dandy 33, voilà, opérateur Rémi. Vous n'avez pas entendu? Ah, je dis ben, justement les 213-51 de Dandy 33, opérateur Rémi. Oui, affirmatif, c'est bien moi. D'accord, mais moi je suis le monsieur qui vous a laissé un message hier sur votre page Facebook. Oui, ben, oui, c'est bon en plus. Oui, j'ai répondu justement que je serai soit en forum ou sur le soit en fréquence ou sur le forum. Et bien voilà, c'est confirmé, je suis bien là. Je suis trois coups. Oui, mais apparemment, toi, tu as du mal à me recevoir. C'est bien ça, je me trompe. J'ai pas entendu. Ok, visiblement, tu as des difficultés à m'entendre. Est-ce que par hasard, dans le secteur, il n'y aurait pas beaucoup de parasites? Alors, j'ai clarifié un peu, je vous entends mieux. Ok, bon, j'ai monté un petit peu de mon côté, là, au niveau puissance. Je disais, j'ai l'impression que de votre côté, il y a pas mal de parasites, non? Pour avoir du mal à m'entendre. Alors, je vous sens beaucoup mieux parce que je me suis arrêté 5 minutes, justement, pour profiter de la discussion. Ok, voilà, ah oui, ok, j'ai compris d'où viennent les parasites. Et oui, les fenêtres ouvertes, il fait chaud, ceci, cela, c'est vrai que c'est pas évident. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, ça fait bien plaisir de pouvoir vous entendre, de pouvoir parler à quelqu'un, parce que bon, c'est ma première fois, alors ça fait toujours plaisir. Ok, et si on poussait le vis un petit peu plus loin, est-ce que ça dérange que je fasse une vidéo pour justement immortaliser ce moment? Ah non, pas du tout, au contraire, ça ferait très plaisir, et puis comme ça, moi, ça permettrait peut-être de relancer la chose. Eh bien voilà, il y a une vidéo voilà, qui est démarrée, donc c'est génial. Alors, donc là, tu as trouvé le forum, ou plutôt là, du côté Facebook, le groupe Facebook La Planète Sibi Francophone. Tu m'as laissé un message, justement, pour avoir des infos ou des contacts au niveau de la Sibi. Et voilà, la chaîne se fait jusqu'au micro, puisque là, ben, suite au message d'hier, te voici aujourd'hui sur les ondes. Et ça, c'est génial. Et ça, tout à fait, bah, histoire de débaucher un petit peu, quand je me suis dit, bon, je vais lancer un message d'appel, on sait jamais, peut-être qu'il doit être dans le coin, alors bon, bah, ça fait toujours plaisir de vous avoir. Ah oui, et puis t'es pas tout seul. J'entends derrière justement du monde là qui discute là de leur côté. Je vais peut-être baisser un peu la puissance parce que là je suis en train de certainement les déranger. Et peut-être que ouais, on va se tutoyer. Hein. Sur la Sibi, tout le monde se tutoie. On va au plus simple. T'entends pas, mais il y a du monde derrière dans le lointain là qui est également là depuis tout à l'heure que je suis en train d'écouter comme ça là qui est également sur le même canal. Bon bah d'accord, comment on va se dire bon bah en tout cas ça fait très plaisir parce que bon bah message d'hier, communication d'aujourd'hui, donc bon bah super heureux de pouvoir débuter avec vous et puis bon bah espérons pouvoir vous recroiser et puis continuer à discuter. Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que moi je suis plus du côté des 40 canaux que des canaux au-dessus pour faire de la longue distance. Moi je pars du principe qu'en même temps j'ai un forum, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une grosse activité de mon côté sur internet à promouvoir, redynamiser la Sibi, autant que je sois du côté où les nouveaux arrivent justement.
Et c'est avec plaisir, justement, à chaque fois, là, d'entendre de nouvelles stations. Ça, c'est, on va dire, c'est la récompense du travail fait derrière, quoi. Récompensé, mais bon, moi ça fait toujours plaisir parce que c'est mon beau-père qui avait du matériel. On en a parlé dimanche et dimanche soir le matériel était dans la voiture, donc bon, dimanche soir j'ai fait un peu mes recherches et puis bon, du coup je vous ai trouvé, donc je t'ai trouvé, je vais y arriver. En même temps. Ok, ouais, ça a l'air de moduler de plus en plus là derrière, là, sur le K19. On va pas déranger davantage. Je vais te proposer alors attends, je vais parler français, de changer de canal, de passer sur le canal 32. Voilà, toujours pareil, mais sur le canal 32. Ça te va? Ok, c'est bien reçu. Voilà, normalement, ouais, je suis au bon endroit. Oui, c'est ça. Voilà, là, je suis rendu sur le canal. C'est ça, c'est bien reçu. Ok, voilà. Alors, est-ce que tu as, comme on appelle en Sibie, un QRZ, autrement dit un pseudo, quelque chose pour t'identifier soit à Sibie ou c'est directement ton prénom? Alors, moi, j'avais pensé, parce que justement, j'y ai réfléchi, que j'en ai parlé avec mon beau-père, parce qu'il m'a dit, oui, il faut que tu connaisses les codes, sinon, on va te bousculer un petit peu. Alors du coup j'avais réfléchi un peu à la question d'abord. Bon, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà, mais moi j'avais pensé à Apache 33. Apache 33. Là, bon, je connais pas tout le monde, hein, parce que il y a beaucoup plus de monde qu'on ne pense. Il y a beaucoup plus de monde là-dessus que ce que l'on entend. Apache 33, autrefois, oui, il me semble qu'il y en avait un, mais ça remonte au XXe siècle. Là aujourd'hui, je ne pense pas, je suis pas sûr. Ouais, je pense que, puis en plus, bon, j'imagine que si tu prends Apache 33, c'est que quelque part ça te caractérise en même temps. Tout à fait. Bon, un caractère assez très très gentil, mais bon, on va dire que faut pas trop pousser le vice trop loin, quoi. Oui, bon, bah, rien d'exceptionnel jusque-là, quoi. Tout à fait. Et puis bon, remettre des choses qui sont, enfin, entre guillemets, qui auraient disparu un peu au goût du jour, quoi, histoire de pouvoir refonctionner un peu comme avant et puis bon, avoir le plaisir de discuter autre chose que sur le téléphone. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr, et puis bon, c'est quand même le premier réseau social grand public mondial, déjà. C'est sur les réseaux sociaux, là, parler comme ça, avoir une interaction phonique comme ça, ou même sous le téléphone, c'est assez compliqué. C'est vraiment ouvert à tout le monde, on est dans le libre. Voilà, quand je dis ça me fait penser au logiciel libre, c'est-à-dire Linux et compagnie. Mais quelque part, c'est assez ressemblant puisque l'état d'esprit est tout à fait le même. C'est la liberté d'expression, tout en étant dans le respect et tout, l'usage libre. On est vraiment dans le libre là-dessus, et puis il n'y a pas d'administrateur ou quoi que ce soit, censureur, censeur. Oh, je mélange les crayons là. Enfin, il n'y a personne pour censurer derrière. Donc là, c'est sûr que ce que tu dis, ça peut venir que de toi et ça passe pas par des intermédiaires qui peuvent bidouiller l'info, quoi. Bon, c'est pouvoir aussi trouver le plaisir de voilà d'avoir des nouvelles connaissances, voilà, de connaître un peu de monde. Et puis bon, que la route soit moins longue surtout, parce que bon, écouter la musique c'est une chose, mais bon, discuter c'est un peu plus agréable, le temps est moins long. Oui, c'est sûr, parce que en général, j'ai plus souvent la CB allumée dans la voiture que l'autoradio. Hein. Ou alors, c'est vraiment. Bon, je sais que je vais partir très tôt le matin, bien avant qu'il y ait vraiment du monde sur la route, où là, bon, je sais qu'il n'y a vraiment rien. Mais je vais quand même avoir le poste de CB allumé derrière, l'autoradio d'allumé, que je vais vite couper dès que je vais entendre du monde. Bon, ça marche pareil de mon côté. Du coup, j'avais essayé ce matin, bon, j'ai eu personne. Ce midi, j'avais fait une petite interruption de quoi, de 20 minutes. Bon, j'avais eu personne, bon, je me suis coupé. Et puis ce soir, j'ai dit, allez, il faut rester, il faut persister, on va bien se trouver.
Ouais, ouais. Donc, Apache 33, tu m'as dit, ok. Et, ouais, bon, pour le langage CB, tu l'as directement, là, sur le forum. Je te mettrai les liens. Eh ben, de toute façon, le lien du forum lui-même, je te l'ai mis. Tu verras, le truc, c'est un truc énorme. Tu as des infos de tout, pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et tout le monde dessus joue le jeu pour justement tendre la main au nouveau, à la différence des réseaux sociaux où tu as vu, parfois c'est un peu compliqué d'avoir des infos. Bah, disons que sur les réseaux sociaux, on vient bien plus vite à la critique, pardon, que plutôt qu'à essayer de conseiller, voire même d'orienter, voire même de former. On va se dire, parce que bon, pour certaines choses, on va dire que bon, c'est là pour, par exemple, pour tout ce qui est vocabulaire et tout ça, pour tout ce qui est langage. Bon voilà, si quelqu'un avait pas relayé l'information, ben personne l'aurait su. Ouais voilà, de toute façon, les réseaux sociaux, moi je compare ça à une cour maternelle. Et quand on voit comment ça s'y passe, c'est vraiment ça, quoi. C'est faut pas chercher le côté intellectuel là-dedans, quoi. Surtout pas, quoi. Alors que du côté du forum, c'est vrai que je prêche pas particulièrement pour ma paroisse, parce que c'est le forum de tout le monde, hein, de la planète CB francophone. J'en fais pas du tout une affaire personnelle. Et si tu vas dessus, tu verras que c'est tout le monde dessus qui est là pour tendre la main, pour aider et tout. Hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, hein. Bien loin de là. Et quelqu'un peine, eh bien, on réexplique différemment, ainsi de suite et tout. Et pour peu qu'il y en ait qui soit dans la même région que toi et tout, ça peut même aller justement à se rencontrer, ainsi de suite. Voilà quoi. Et pour le langage CB, franchement, même si j'en ai listé un bon kilomètre sur le forum, il n'y a que très peu de codes utilisés. Hein. C'est, allez, ça va tourner autour de quoi de QRZ pour le pseudo, QTH pour l'endroit où tu es à la seconde même, gastro, bon ben là tu comprends déjà dans gastro, gastro solide pour manger, gastro liquide pour boire. C'est bon, ça reste assez basique, hein, ça va pas chercher bien loin. Hein. Allez, s'il y a quoi, allez, on va dire peut-être 10 mots du langage CBI d'utiliser, je suis peut-être même encore au-delà du nombre réel. Tu vois, c'est vraiment très, très soft aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant. Avant, il est vrai qu'on on se tenait presque un langage, une conversation complète, rien qu'en langage CBI. Hein. Je déconne, mais c'est vrai que bon, c'était énormément utilisé. Hein. Aujourd'hui, bon, c'est comme on veut, voilà, tout simplement. De remettre au goût du jour et puis bon d'essayer de jouer le jeu parce que c'est aussi un plaisir, donc bon, faut essayer de pousser le jeu, quoi, c'est ça qui est drôle. Oui, voilà, parce que je vois, moi, pour ma part, j'ai commencé ça bien avant la CB, c'est-à-dire dans les années 70 avec les Takiwalki. Et Takiwalki, un ou deux canaux comme ça, tac, on s'amusait entre gamins à se parler. Un jour, j'ai eu quelqu'un d'autre, une personne, vu la voix, c'était une adulte, là, qui m'a répondu, mais ça a été très court. Et là, ça m'a titillé. Et là, j'ai vu un autre intérêt de la radio. Et ça m'est resté gravé en tête, hein, jusqu'au jour où, en 82, là, quelqu'un m'a fait découvrir la CB. Alors forcément, un Takiwalki qui se branche en 12 volts avec à l'époque 22 canaux. Alors là, moi, c'était un monde qui s'ouvrait littéralement à moi, quoi. C'était vraiment le truc magique, hein. C'est voilà. Et entendre du monde de partout, pouvoir discuter comme ça avec tout le monde, c'est toujours magique d'ailleurs. D'après, parce que j'arrive pas à relâcher le micro. Et là, ce coup-ci, j'écarte le doigt du bouton du micro avec l'autre main pour te repasser le micro. Bon, en même temps, c'est que les autres, donc il y a tellement de choses à se dire que bon, c'est plutôt agréable. Et puis bon, il y a, moi pour ma part, ça fait deux, trois jours. Bon, j'espère, bon, après, on trouve bien. Et puis bon, bah, ça se fait doucement, mais sûrement, comme on dit.
Ah oui, parce que, bon, vu ta voix, t'es jeune, oui, ben, tu l'as dit tout à l'heure, donc j'imagine que tu vas, tu habites sur quel secteur, sans trop être précis, hein? Tu es du côté de Saint-Émilion, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, ben, moi exactement, je suis plutôt parqué du côté du Seguin, Saint-Cybard. Ok, dans ces environs-là. Et du côté boulot, tu vas surtout du côté de Bordeaux, non? Ou tu restes dans le coin? Non, côté boulot, je suis toujours sur Saint-Émilion, mais vers Nose. D'accord, c'est pour voir un petit peu au niveau des stations. Parce que par ici, il y en a quelques-unes. Hein. Il y a, alors que je compte, il y a, alors, 1, 2, 3, 4... ouais, sur les 20 km autour, il y a bien 6, 7, 8 stations, déjà, de ce que là. Bon, après, plus loin, évidemment, il y a du monde. Là, toi, je t'ai demandé de changer de canal tout à l'heure, parce que justement, il y avait du monde, il y avait pas mal de monde derrière en train de parler, donc tu pourras voir ça dans la vidéo. Donc voilà pourquoi je t'ai fait changer de canal, sinon on serait resté dessus s'il y avait vraiment personne. Et alors moi, je vais bosser principalement sur Bordeaux. Et comme un copain qui est pareil, qui est de ce côté-ci, du côté de Florac, de ce côté-là, à chaque fois sur la route, lui il donne des infos routières. Et moi, quand j'arrive sur le pont d'Aquitaine, c'est pareil, je donne aussi des infos routières. Et ça rend bien service aux autres routiers qui justement qui sont derrière en écoute. Bon, bah, moi, si je vois quelque chose, j'essaie d'ouvrir les yeux et puis j'essaierai de relayer l'information aussi pour qu'ils puissent en profiter. Et chose du fait, bah, il y a quelqu'un qui s'est garé à côté de moi parce que bon, bah, je suis à côté d'une grande antenne, donc je vais pas citer nom, vers Castillon. Et il m'a demandé s'il y avait du monde, etc. Parce que voilà, il voulait s'y remettre aussi. Donc je lui dis bah, qu'on essayait justement de recoller les morceaux un peu avec tout le monde. Donc bah, s'il voulait, pourquoi pas quoi. Donc bon, bah, il a dit qu'il serait peut-être disponible dans les prochains jours. Ah, puis ça, c'est du direct live. Ah oui, puis là, il a certainement dû m'entendre parler en même temps. Donc là, ça va être génial. Il a pu voir qu'effectivement, il y a du monde. C'est ça. Moi, ça fait toujours plaisir parce que voilà, ça implique les gens et les gens voilà, se posent des questions. Bon, et puis, bon bah, c'est toujours agréable voilà, de retrouver des gens qui, justement, étaient un peu oubliés. Bon, bah, on est au bout du jour et c'est reparti, quoi. Oui, voilà, ben toi, t'arrives tout juste, t'as déjà tout compris. Il faut prendre le micro, faut montrer, et voilà la preuve. Et ça, là, ça s'invente pas, ça. Là, c'est du vécu, là, que t'as, quoi. Oui, oui, non, mais moi, c'est pareil, hein, ça m'arrive aussi, hein. Je vois, là, des fois, quand je discute avec certains routiers, ouais, il n'y a plus personne dessus, ceci, cela, je rentre dans leur camion. Justement, ceux-là même qui me disent qu'il n'y a plus personne dessus, je dis, mais pour être aussi sûr que ça, elle est où la CB? Ah, ben ça fait bien 15 ans que je ne l'ai plus dedans. Le mec, il est capable d'affirmer qu'il n'y a plus personne dessus, tout en n'étant pas dessus. Mais c'est là, la technologie mentale, elle va très loin, là. Je sais, j'ai dit une connerie. Non, mais c'est sûr qu'il y a du monde. Mais il faut le petit truc pour déclencher justement la discussion. Voilà, c'est ça. C'est si avant, au niveau mentalité, c'était du spontané, du immédiat, aujourd'hui, la mentalité a changé et c'est vrai qu'il faut un peu les chatouiller, les dans le bon sens du poil. Hein. Il faut les provoquer, les discussions. Faut savoir ouais, bah, ouais, comment on fait là, quoi. En fait, il faut y aller un peu au culot et puis bon, bah après, moi je vois au niveau du travail, parce que bon, il y a des camions qui viennent prendre de la marchandise et bah, justement, depuis que j'ai installé l'antenne depuis lundi matin, on n'arrête pas de me poser des questions, donc je pense que ça va motiver du monde. Ah oui, ça oui. Parce que moi c'est pareil, hein. Là je suis à la maison, bon je l'ai aussi dans la voiture, hein, la CB tout pareil, hein. C'est vrai que ça zieute, et si ça zieute, c'est que ça fait parler, si ça fait parler, tant mieux.
Et c'est vrai que quand on branche un poste, beaucoup, j'en vois beaucoup là justement qui me disent comme ça, parce que toutes les semaines, toutes les fins de semaine, une annonce est lancée pour une discussion de groupe sur ce canal même, le canal 32. Voilà, bon, on appelle ça un QSO. Voilà, donc toutes les semaines, je mets l'annonce sur Internet, sur le forum, sur différents groupes. Et bien souvent, je vois des réponses du style « Ok, je serai en écoute derrière ». Mais quand tout le monde reste en écoute, ben, ça fait beaucoup moins de bavards. Et ça sert strictement à rien. Alors, le week-end dernier, j'ai fait le coup. J'ai fait comme eux. Et j'aurais répondu, j'en dis comme ça. Ah oui, vous avez eu raison. Moi aussi, je suis resté en écoute. Mais qu'est-ce que la fréquence est restée propre. Ça n'a pas percuté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut entendre du monde, eh ben, il faut déjà commencer par tendre la perche et prendre le micro et puis y aller, quoi. Ouais, et puis en soi, on va dire, il n'y a pas grand chose de méchant, quoi. Il suffit de parler un peu. Bon, s'il y a du monde, il y a du monde. S'il y a personne, ben, on attend et puis voilà, ça va passer après. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi le petit souci au niveau mentalité de gens qui ont du mal à tendre la main à quelqu'un qui est nouveau. Pourtant, on a tous démarré, on a tous été nouveaux à un moment donné. Et moi, je me souviens de mes premières fois, justement, là, sur ce petit 22 canaux FM que j'ai eu, là, qui a été mon premier poste, justement, là, en 82. Ben, la personne m'a aidé à m'installer au niveau de la CB et tout, m'a montré, m'a fait une démonstration de comment fallait que je fasse pour l'utiliser avec les différentes personnes, ceci, cela, bien écouter, tout ça, voir comment les appels étaient formulés, faire son propre petit truc par rapport à ça, tac, ainsi de suite. Et j'ai été content justement de trouver du monde qui m'a aidé. Et j'essaie de renvoyer ça du mieux que je peux là aujourd'hui, quoi. Bon, faut toujours bien un petit baptême quand même, on va dire, c'est la première journée, il fallait que je vois un peu toutes les situations, bah, et ça c'est super fun. Ouais, mais bon, ça va venir, puis là, t'as vu, là, d'autres, là, ces jours derniers, tout à l'heure, voilà, on te voit avec la CB et tout, ça interpelle, et tant mieux, voilà, c'est ça, ça c'est du pain béni, ça. Donc, je sais que là, par la suite, il va y avoir de plus en plus de monde. Du côté de Bordeaux, tout ça, c'est pareil. Hein. Il y en a de plus en plus aussi. Alors, du côté des routiers, là, c'est marrant. Puisque quand je lance simplement des appels sur le canal 19, comme ça, tac, il n'y a pas grand monde qui répond. Je ne vais pas dire le contraire, ça reste assez souvent silencieux. Et dès que je vais balancer une info au niveau de la route, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas, un accrochage, un accident, quelque chose, ceci, cela, que c'est bouché. Ah tiens, ça interpelle. Et là, tu t'aperçois qu'il y a du monde. Comme par hasard, on va dire. Bah t'as, bien sûr. Alors par contre, bon, t'as pas eu le temps de le découvrir, mais il y a des jours où la propagation devient, oui là je commence à te parler chinois, où la portée des ondes devient assez exceptionnelle. Bon, ça c'est dû à l'activité des éruptions solaires, ceci, cela, je vais pas rentrer dans les détails. Et quand ces éruptions solaires deviennent assez fortes, eh bien, ça joue un rôle d'amplificateur justement là sur la CB. Et je sais pas, aujourd'hui tu as une portée de 5 ou 15 km, je donne des chiffres comme ça au hasard, mais qui sont assez réalistes. Non, quand même pas 5, ouais, une bonne quinzaine de kilomètres, 20, enfin autour de ça, bon, ça reste assez réaliste pour la CB comme ça, dans des conditions les plus basses, on va dire, au niveau portée des ondes. À d'autres moments, comme ça peut arriver tout à l'heure, ou je sais pas, ou demain, je sais pas, d'un seul coup, tu vas te mettre à entendre des pays étrangers, les départements français, et ainsi de suite. Et tu pourras leur répondre depuis ton propre poste. Et là, là c'est une toute autre magie là, qui se met en place. C'est ce que j'ai pu voir, parce que bon, par curiosité, j'ai commencé à regarder des vidéos. Bon, on va dire, ça m'a mis un peu dans le sujet en attendant de pouvoir vraiment voir quelqu'un à l'autre bout du mic, comme on va dire.
Non, mais sinon, oui, j'ai vu que c'était assez exceptionnel et qu'on pouvait aller super loin, oui. Ok, donc tu as déjà eu l'occasion de voir mes vidéos. Bon, ben c'est génial. Voilà, donc ça rejoint ce que je viens de te dire, rejoint ce que tu as pu voir. C'est ça, tout à fait. Mais là, le faire en vrai, c'est encore mieux. Ah bah ben, tu m'étonnes. C'est... t'as quelqu'un qui te répond dans une boîte magique. C'est... ça fait sourire, mais quelque part, quand on découvre la Sibie, c'est tout à fait ça, quoi. J'ai un appareil, il y a un micro de branché dessus, je parle avec, on me répond. C'est tellement, on va dire, basique que c'en est magique dans ce monde d'aujourd'hui où tout est informatisé, tout est en technologie, trop de technologie même. Là, on est sur des trucs basiques. Aléatoire au niveau des appels et ça fonctionne. C'est ça, tout à fait. Et en fait, j'ai oublié de te demander, toi, t'es dans quel coin? Ah ben, je suis à côté, hein, Sainte-Colombe. Ah oui, d'accord, donc c'est bien, c'est dans le secteur, donc même de la maison, je peux t'appeler, ça c'est cool. Oui, alors attends, parce que j'ai une vidéo, ma caméra marche par contre à rebours. Ah, voilà, je viens de relancer là. Voilà, oui, je suis vraiment à côté, hein, y a pas de souci. Hein. On aura certainement l'occasion de se voir, de se croiser, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Mais attends, je suis en train de penser. Non, puisque tu viens juste de t'équiper. Sur Saint-Émilion, j'avais déjà eu quelqu'un d'autre, mais bon, ça remonte pas, ça doit remonter à quelques années. D'après la voix, qui n'était pas très vieux non plus, et en fixe, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est sur Saint-Émilion. Bon, vu que les antennes sont interdites, pour lui, il a tout mis dans les combes. D'accord, bon, bah, très bien, une personne de plus. Ouais, voilà, donc t'as au moins une ou deux et trois, certaines, peut-être même trois personnes sur Saint-Émilion. Oh oui, puisque je me souviens de quelqu'un que j'ai eu en fréquence. Je partais au boulot, donc j'étais en direction de Libourne. Je dois avoir une vidéo quelque part là-dessus, mais bon, dans le millier de vidéos qu'il y a, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Et justement, je discutais avec quelqu'un qui est de ce côté-là aussi, ouais, en mobile. Bon, bah, impeccable, alors, ça fera du monde à connaître, et puis bon, bah, on pourra en discuter comme ça. Oui, voilà, et sur Libourne, c'est pareil, hein. Tu as sur Libourne, tu as Christophe, tu as Nico, Nicolas, plus une ou deux autres stations. Ça marche, bon bah au plaisir de parler avec eux et puis bon bah la suite avec tous les autres ça serait bien aussi et puis bon bah maintenant que je sais qu'il y a quelqu'un ça me fera passer du temps. Oui voilà et puis là entre nous deux tu as une autre station sur la départementale pas loin de Castillon il y a une autre station, t'as dû apercevoir l'antenne sur le bord de la route là qui est à moitié qui a une allure assez bizarre. Chacun voit la verticale à sa façon. Je plaisante. Pas loin de chez moi là, de l'autre côté de la colline c'est pareil, il y a une autre station. Bon, eux sont bien souvent sur un autre mode de fonctionnement, mais toujours sur la Sibie. Je ne sais pas ce que tu as comme poste, mais ils sont plus en ce qu'on appelle en BLU, sur le mode USB. Parce que pour t'expliquer comme ça, tu as pu voir, il existe différents modes. Tu as le mode AM, FM, et tu as aussi d'autres modes USB, LSB. Toi, qu'est-ce que tu as comme poste? Président Grant, ah l'ancien président Grant, façade grise. Bon, il est de couleur gris et après les volets sont de couleur chrome. Et c'est vraiment comme il dit, mon grand-père c'est mon âge. Donc voilà, non, ça marche très bien, justement, je suis sorti de la ville, ça marche. Ouais,
Ok, bon, je vois que là, tu es en train de t'éloigner ou tu es en train de passer dans des endroits, c'est pas top. Tiens, je serais curieux à l'occasion, je sais pas quand, justement, de voir ton installation là au niveau de la voiture. Parce que bon, t'es pas très loin, ou alors t'étais vraiment éloigné, parce que là je suis en train de te perdre. J'ai pourtant un signal de 5, mais qui est plutôt fuyant comme signal. Et j'ai du mal à t'entendre. Tu t'éloignes encore plus, ou là tu vas rester dans le coin là? D'accord, oui, d'accord, j'ai compris où est le problème de mon côté. J'ai une colline là qui nous fait barrage entre les deux. Même si les ondes passent par-dessus, au niveau local, c'est assez chiant. Ok, bon, alors, parce que là, je suis pas loin de te faire répéter. Hein. Alors, on va pas partir là-dessus, ça va être chiant au bout d'un moment. Donc, je vais t'envoyer, comme on dit en Sibie, les bonnes 73-51. Ce qui veut dire salutations au poignet de main, très content de t'avoir eu en fréquence. Je m'occupe, je lâche ce que je suis en train de faire là, la seconde même. Je m'occupe de suite de la vidéo pour que tu aies le plaisir là, de la voir. Il est quelle heure? Ouais, ça va être bon ça. Tu l'auras ce soir en ligne. Ça va être nickel. Donc merci à toi pour avoir lancé appel là, sur le 19. Et à très bientôt. Si ça repasse encore. Ouais, là c'est bien passé. Bon, c'est pas très fort, c'est bien passé. Merci, tous les chiffres retournés et à la prochaine. Ok, à la prochaine et bonne soirée. Bon, je vais essayer de le garder. J'attends pas sur la maison pour voir si ça garde. Ah ben là sur la fin j'ai pas du tout eu Roger, j'ai pas du tout eu compris, je t'ai entendu parler c'est sûr, mais bon c'est pas grave. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, voilà, ça allait commencer à devenir chiant là dans la discussion là, parce que là je vais pas commencer à te faire répéter, c'est pas le but. Allez, merci, bonne soirée à toi. Je pense que tu vas faire plein de beaux rêves ce soir de Sibie. Méfie-toi à ce que tu vas dire pendant dans tes rêves. T'as ton YL, t'as ta femme qui sera certainement à côté. Alors si tu balances des conneries, dommage pour toi, chacun sa merde. Hachi, je plaisante. Merci, à plus. Allez, à plus tard, il n'y a pas de soucis, c'est bien aussi. Allez, bonne soirée, à plus tard. Merci, à plus. Allez, ciao. Ciao. Ah, ça s'est calmé de ce côté-là. Petit tour vite fait là-haut. Ah, pourtant, il y a eu de la propague aujourd'hui. Il y a même eu ce fin de matinée, quelques départements français qui ont passé. La Corse aussi avec. Le nord de l'Europe aussi est passé. Oh, c'est pas grave. Ah, il est 6h05. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui commence à attaquer l'apéro. Ça serait pas impossible. On est sur le sud-ouest. Hein. Allez, 73, 51, 212. À plus.